Bonsoir et bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr. C'est parti pour Rugby Time. Nous sommes avec notre consultant Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Martin. Avec nous donc par téléphone pour revenir la C'est un Philippe. Ça, on peut dire que ça a été une victoire au bout d'un suspense assez incroyable parce que on pensait tous quand même qu'après la 70e minute, les carottes étaient cuites. Et quand on a commencé à entendre chanter le Sweet Chariot dans le Stade de France, il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu penser qu'un tel renversement de situation. Mais bon, ça c'est le rugby, Martin. C'est la magie du rugby. Tant mieux, pour nous surtout. Et quelque part, tant mieux d'avoir battu ces Anglais qu'on aime bien à chaque fois faire tomber lors de ce fameux crunch. Et effectivement, oui, Philippe. Donc voilà donc pour cette victoire, effectivement, donc de la France 26 à 24. Alors on va décrypter le match. Alors est-ce que cette équipe de France a quand même été bonne parce qu'elle était jeune, cette équipe de France, donc c'était compliqué. Oui, c'est une très bonne question, Martin, en préambule. Est-ce que cette équipe de France a été bonne? On va dire qu'elle a fait preuve d'abord de beaucoup d'abnégation. Ça, c'est certain, il faut lui reconnaître ça, qu'elle a rien lâché. Mais c'est la marque de fabrique de l'équipe de France. Hein. On sait que l'équipe de France est habituée à faire des exploits un petit peu. On se demande d'où ça sort. C'est le fameux French flair que nous envient toutes les équipes du monde, d'ailleurs, hein, que ce soit les Anglais, les Britanniques, mais même les équipes du Sud. Et voilà, donc effectivement... On peut au moins louer ces mérites-là sur l'équipe de France. Plutôt une bonne défense au global. Après des joueurs qui arrivent quand même à faire la différence, clairement. Mais ça peut être une victoire un peu en trompe-l'œil, Martin. Et ça, il faut pas se cacher derrière nos petits doigts. Les Anglais ont malgré tout, ça c'est un avis personnel, mais était supérieur en beaucoup, beaucoup de domaines par rapport à l'équipe de France. Ils sont clairement en avance, et dans l'optique de la Coupe du Monde, hein, Martin, c'est l'an prochain, faut pas l'oublier. Hein. Les Anglais, pour moi, ont clairement une vraie, vraie longueur d'avance. Alors, les choses peuvent se combler, hein, mais j'ai trouvé cette équipe d'Angleterre très, très forte sur beaucoup, beaucoup de points. Première, ils sont très très féroces dans les zones de ruck. Au global, je dirais que dans le combat vraiment auprès, ils ont été supérieurs à nous. Petit avantage aussi dans les chandelles, même si en deuxième mi-temps les Français ont été un peu plus présents sous les tombées de ballon. Oui. Mais au global quand même. Franchement, il y a du travail encore à faire là-dessus et on sait que dans le rugby moderne, ça compte énormément parce que quand une équipe alterne parfaitement bien le jeu, comme c'est faire l'Angleterre d'ailleurs, ça reste une arme redoutable et il faut être très très bon dans ces zones-là. On n'a pas toujours été parfait. Un alignement en touche, malgré tout chahuté, les Anglais nous ont posé pas mal de problèmes. Voilà, le seul point sur lequel on est supérieur à eux, c'est la mêlée fermée. Ça, clairement, je crois qu'il y a eu, Martin, une douzaine de mêlées seulement, hein. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, et on arrive à leur mettre deux pénalités contre eux. Ça, clairement, c'est, je dirais, vraiment le seul point sur lequel on est supérieur. Pour le reste, on voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Donc, c'est très bien cette victoire. Mais moi, après la déception qu'on a vue sur les visages anglais, quand après on les a retrouvés dans les vestiaires, ces Anglais, le match a trompé personne et surtout pas eux. Et ils savent qu'ils ont quand même fait une belle performance, une grosse performance. Et on va être franc, Martin. Hein. Si on n'a pas les deux essais en 15 minutes avec deux rebonds, un rebond sur le deuxième essai hyper favorable à UG et puis un espèce de passe-passe là, coup de talon et tout sur le premier essai, on leur met pas 15 points ou 18 points d'avance, je sais plus exactement,
Et c'est peut-être pas tout à fait le même match. Parce que il faut bien reconnaître, parfois, qu'entre la 30e et la 70e minute, à peu près, hein, on prend quand même lourd, hein, très, très clairement. Et les Anglais ont pas beaucoup de chance, parce qu'ils peuvent creuser l'écart. Il y a un essai, vous vous souvenez, là, Martin, où je crois que c'est Flancard qui met la main sous le ballon et on évite de prendre cet essai-là. Il y a aussi cette action, et ça ressemble pas à la rigueur anglaise, une touche pour eux dans nos 22 mètres, juste avant d'ailleurs notre dernier essai, où ils perdent le ballon, les Anglais, et là ils auraient pu encore une fois faire la différence. Donc voilà, il faut pas se masquer derrière cette réussite presque un petit peu trop flagrante pour dire que il y a encore beaucoup beaucoup de travail pour que cette équipe de France soit très clairement sur le niveau de l'Angleterre et même sur le niveau d'une équipe de Nouvelle-Zélande, voire même d'une équipe d'Afrique du Sud. Bon, maintenant il y a des progrès, c'est certain. Il n'y avait pas eu de succès très très probant en 2013, succession quand même de défaites, match gagné contre les Tonga, bon certes, c'est quand même pas la plus grosse équipe de la planète. Au moins cette victoire est là, peut-être que dans les esprits, ça va être un peu un déclic. Au niveau moral, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. Mais là, il va falloir confirmer. De toute façon, on connaît l'équipe de France maintenant. Et on sait qu'on est capable, hein, de ne pas savoir enchaîner des victoires. Il y a l'Italie qui se présente la semaine prochaine. Il va falloir battre les Italiens. Parce qu'il y a une grosse erreur de les sous-estimer, ces Italiens. On en parlera tout à l'heure. Donc, c'est quand même un match intéressant, très, très intéressant au Pays de Galles. Puis après, derrière, il va falloir se déplacer au Pays de Galles. Et puis, il y a encore l'Irlande, l'Écosse. Donc, on est loin d'avoir aujourd'hui une équipe de France qui maîtrise parfaitement son sujet. On est peut-être sur la bonne voie. Peut-être qu'il y a eu un virage positif qui a été pris. Il reste beaucoup de travail. Conclusion, la victoire sur l'Angleterre est nouvelle, mais ce n'est que le début. On l'espère. En tous les cas, c'est le début d'une belle histoire qui nous amènera jusqu'à la Coupe du monde. Très franchement, je l'espère. Bon, maintenant, il y a eu des satisfactions dans ce match. Hein. On a la confirmation d'une troisième ligne toulousaine, surtout, je pense, à Nyanga et Picamol, qui nous fait un gros, gros, gros match. On a la confirmation, encore une fois, je l'ai dit, que notre première ligne est quand même très solide en mêlée fermée, même si dans le jeu, j'ai trouvé que en première mi-temps, notre première ligne avait été un petit peu absente des débats, mais c'était compliqué parce que ça allait très 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 vite. Hein. Que dire là, alors bien sûr, la charnière, on avait expérimenté Doussin et Jules Plisson. Jules Plisson a fait une très belle entame de match. Après, ça a été plus compliqué. Je pense qu'il a pu voir ce que c'était que le haut niveau pendant 80 minutes. C'est quand même pas la même que d'avoir un, je dirais, des éclairs comme ça pendant une mi-temps. Mm-hmm. Donc, à travailler. Quand on fait la comparaison de Doussin avec Kerr, le demi-mêlée anglais, Doussin est quand même en dessous. On n'a pas, pour moi, un numéro 9 de très très haut niveau. Et je pense aujourd'hui, très très sincèrement, que celui qui est lui à ce poste, ça reste encore Morgan Parra. J'espère que, revenant de sa blessure, retrouvant la totalité de ses moyens, il pourra reprendre sa place parce que c'est quand même quelqu'un aussi qui sait mettre des coups de pied de beauté des pénalités et puis il a une vision du jeu et une expérience énormissime. Il compte hein, à ce niveau-là sur des matchs très très importants, ça compte énormément. Mm-hmm. Derrière, on a un Fofana qui est pour moi très très au-dessus de beaucoup, peut-être certainement un des meilleurs centres du monde. Hier encore, sur le dernier essai, on a tendance à l'oublier, mais c'est lui qui vient quelque part enclencher cette banderie qui est parfaitement bien terminée par Ficou. Un Dulin qui a plutôt bien tenu son rang, un UG qui est bien aussi. Donc voilà, il y a des satisfactions au niveau individuel, ça c'est clair. J'ai oublié la deuxième ligne avec un Pascal Papé qui était vraiment très très au fait du combat, et ça c'est important sur ce genre de match. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont le niveau, très clairement, mais je crois qu'il y a un collectif à travailler, il y a encore pas mal de choses à resserrer pour qu'on soit une très très grosse équipe, mais
En tous les cas, encore une fois, ne boudons pas notre plaisir, Martin, et prenons cette victoire comme il se doit. Tout à fait, Philippe. Voilà donc pour cette victoire de la France sur l'Angleterre, on le rappelle, 26 à 24. Alors, il y avait deux autres matchs hein, ce week-end dans le tournoi des Six Nations, à commencer par le Pays de Galles qui jouait face à l'Italie et la victoire du Pays de Galles, 23 à 15. Des Gallois qui ont été chahutés, ça c'est quand même une surprise, mais on a souligné les progrès de cette équipe italienne, entraînée par, par Jacques Brunel, hein, cet entraîneur français qui auparavant s'était occupé de Perpignan et il avait quand même amené au titre de champion de France Perpignan. Brunel qui était aussi dans le cadre de l'équipe de France, donc c'est un entraîneur expérimenté qui petit à petit donne du liant à cette équipe italienne qui se trouve un jeu de plus en plus cohérent avec là aussi des belles individualités. Et cette équipe a sérieusement chahuté l'équipe du Pays de Galles avec moi un joueur que j'ai trouvé excellent, hein, c'est Campagnaro, le trois quarts italien, qui plante quand même deux essais. Voilà, il y a une équipe, très clairement, donc c'est pour ça que je le redis, Martin, attention la semaine prochaine, surtout ne pas sous-estimer cette équipe italienne, sinon je pense qu'on risque d'aller vers une grosse déconvenue. Bon, maintenant, le Pays de Galles, c'était le premier match de ces Gallois. On se rappelle l'an dernier, Martin, alors qu'ils avaient perdu de mémoire sur leur terrain contre les Irlandais, on disait que les Gallois avaient passé un sale moment dans le tournoi destination et résultat des courses, c'est quand même eux qui gagnent au bout du compte. Je pense qu'il va y avoir une montée en puissance de cette équipe du Pays de Galles. Il y a des individualités exceptionnelles quand même. Très, très clairement, ça reste pour moi encore avec l'Angleterre un des favoris à la victoire finale, même si les Anglais ont perdu le premier match. Derrière, ils sont capables de vite redresser la vapeur. Et donc, les Gallois aussi, qui vont avoir l'avantage de recevoir aussi l'équipe de France. Pour moi, très, très clairement, l'équipe galloise reste bien évidemment ma principale favorite à la victoire finale, Martin. Et puis, l'Irlande qui a joué face à l'Écosse et la victoire de l'Irlande, 28 à 6. Oui, alors, un match un petit peu ennuyeux, je veux dire, c'est même si le score reflète trois essais de marquer, deux équipes qui ont un petit peu quand même bafouillé leur rugby, l'Écosse encore un peu plus, même si je les trouve un petit peu en progrès par rapport aux années précédentes et en particulier par rapport à l'année dernière, il reste encore beaucoup de choses à faire pour que l'équipe de se retrouve son lustre d'antan et retrouve véritablement sa place dans le Gotha européen. Ils en sont loin. L'équipe d'Irlande, elle se cherche. On n'a pas l'équipe d'Irlande il y a quelques mois qui m'avait fait une grosse impression. On sent quand même que ça rame un peu. C'est pas super extraordinaire. Ça reste efficace. En tous les cas, ils l'ont prouvé. Ils ont gagné. Là aussi, peut-être qu'il y aura une montée en puissance de cette équipe. Mais bon, voilà, une victoire importante, premier match, il faut le gagner, surtout sur son terrain, pour ne pas quasiment dire adieu à la victoire finale. Ils ont fait l'essentiel, et on attend là aussi le prochain match de l'Irlande contre le Pays de Galles la semaine prochaine, qui vaudra déjà très très cher pour l'une ou pour l'autre des équipes. Alors Philippe, justement, le classement au terme de cette première journée du tournoi destination, on retrouve donc le Pays de Galles ex aequo avec la France et l'Irlande, qui ont donc 2 points, et logiquement, les trois derniers, l'Écosse, l'Angleterre et l'Italie, 0 points. Philippe, donc vous en parliez, hein, les matchs qui se dérouleront la semaine prochaine. Alors on retrouvera l'Irlande face au Pays de Galles, l'Écosse face à l'Angleterre. Alors l'Irlande face au Pays de Galles, ce sera samedi à 15h30. L'Écosse face à l'Angleterre, ce sera ce samedi, donc 8 février à 18h. Et puis dimanche prochain à 16h, France-Italie, qu'on attend donc avec impatience et que l'on suivra sur Big Web TV dans Rugby Time. Voilà donc. Absolument. Philippe. Oui. Et oui, je voulais simplement insister sur un autre point que j'ai passé sous silence, mais qui me paraît très très important. Lors du match France-Angleterre, on a assisté à 45 minutes de temps de jeu effectif, ce qui est énormissime, Martin. Oui. Et c'est vrai que c'est on vrai. Disait que pour la Coupe du Monde 2015, on pourrait
approcher sur des matchs clés, hein, à partir de des quarts de finale, on pourrait approcher à des temps de jeu qui pourraient frôler les 50 minutes. Ce qui veut dire qu'il y a une densité physique, il y a une intensité que dans ces matchs qui grossit de d'année en année. C'est peut-être difficile pour certains auditeurs de se rendre compte, mais un match de rugby où on a autant de temps de jeu, il faut vraiment que les équipes soient parfaitement bien préparées physiquement, et parce que ça devient très 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 dur. Une deuxième chose, Martin, qu'il faut peut-être souligner, parce que c'est pas si souvent que ça arrive, toutes les équipes françaises ont été au diapason de notre équipe A, si je peux dire, parce que les féminines d'abord ont gagné contre l'Angleterre. Les moins de 20 ans, donc le tournoi des six nations, et on va dire des moins de 20 ans des juniors en quelque sorte, l'équipe de France également a gagné. Et je rappellerai que l'Angleterre quand même a été championne du monde des juniors, championne du monde junior, donc c'est une superbe performance. Et les universitaires français également ont gagné. C'est un grand chelem qu'ont réalisé les sélections françaises face aux Anglais. Alors bien évidemment, Martin, contre l'Angleterre, réussir quasiment le grand chelem, ça ne peut que me faire plaisir et que me faire passer un bon week-end, évidemment. Eh bien, c'est parfait, Philippe. Merci encore à vous. Et de toute façon, on se retrouvera très certainement la semaine prochaine pour revenir sur le tournoi Destination, d'une part, et sur la Pro D2 qui reprend la semaine prochaine. Hein. Absolument. Philippe, merci beaucoup et à dimanche prochain. À dimanche prochain, Martin, pour la suite du tournoi, du top 14 d'ailleurs aussi, qui reprend. C'est un des premiers doublons. Et de cette Pro D2, comme vous l'avez souligné. Donc, à la semaine prochaine, Martin, et très bonne semaine à vous. Et aux auditeurs, bien évidemment. Et voilà, effectivement. Merci beaucoup, Philippe. Bonne soirée.